Le drapeau ukrainien flotte de nouveau sur Kherson. Après le retrait russe, des scènes de liesse sont parvenues de cette grande ville clé du sud du pays. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, scande la population qui rend hommage aux militaires ukrainiens. Le ministère ukrainien de la Défense a confirmé ce vendredi que ses forces étaient entrées dans la ville. De son côté, l'armée russe a indiqué que plus de 30 000 de ses soldats s'étaient repliés dans la région. Ce porte-parole du ministère russe de la Défense annonce avoir achevé le redéploiement de ses unités de la rive droite du fleuve Dniepr, où se trouve Kherson, vers la rive gauche, assurant n'avoir subi aucune perte ni abandonné de matériel militaire. Kherson était la seule capitale régionale à être tombée aux mains de Moscou lors de son offensive en mars. Kiev a salué une victoire importante. Pour Vladimir Poutine, le revers est cinglant.